Vendredi 14 juin 2024, M. Jean-Baptiste qui a salué nous de la capitale fédérale américaine en Washington DC et qui a invité nous suivre la dernière émission pour la semaine, ça même. Je dis à c'est vendredi, mais principalement qui a dominé l'actualité. Quelques grands points qui a dominé l'actualité, la Chine dominée, deuxième et dernier journée sommet leader G7 en Italie. Pape François, une invité qui rencontre le président Joe Biden avec le premier ministre italien Giorgia Meloni, parler sur l'intelligence artificielle. En Argentine, la population prend la rue pour protester contre la loi sur réforme économique président Milei. En Haïti, le premier ministre Gary Conny organise une séance de travail pour planifier la saison cyclone qui commence depuis le 1er juin. Donc ça, c'est principalement le cap de l'actualité et j'en ai annoncé que l'idée G7 qui se participer dans le sommet deux jours dans le sud Italie, et bien avec plusieurs autres invités, parmi eux Pape François, qui est tout premier ministre indien, Narendra Modi, et bien il a retourné la caillou après au fin discuter sous plan pour prêter, par exemple, Ukraine 50 milliards de dollars, gain tout question qui est pour avec immigration, changement climatique, et pas plater discuter les mêmes questions qui est pour avec intelligence artificielle. Ça, c'est quelque chose qui est discuté pendant le sommet ça. Côté leader pour engagement, tout pour aider Ukraine tout en fait que ça possible. Nous pourrons joindre collaborateur nous, Jacques Belizère, cap penché sur ce sommet ça pour nous. Pape François tout le premier souverain pontife qui prend la parole dans un sommet G7, gros événement ça, cap déroulé à Nessa en Italie et qui réunit entre autres représentants 7 plus gros pays qui plus industrialisés dans le monde. Chef de l'Église catholique là lancé un pinga pour utilisation militaire intelligence artificielle. Dans un drame tant qu'il y a un conflit armé, il est urgent pour repenser développement et utilisation dispositifs tant qu'aux armes autonomes létales pour nous qu'à interdire utilisation. Et Pape François fini pour le dire, aucune machine pas doit jamais choisir pour le retirer la vie d'un chrétien vivant. Avant ça, Pape François, Jorge Bergoglio, t'es rencontré représentant gros démocratie mondiale et l'autre grand invité dans le sommet. T'es rencontré le premier ministre italien, Giorgia Meloni, directrice générale Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, président ukrainien Volodymyr Zelensky, président français Emmanuel Macron, premier ministre canadien Justin Trudeau, semblait une salutation à tête collée à compatriote Javier Milei, qui est président argentin. Président Zelensky content pour un compte qui était gagné avec chef de l'Église catholique. Nous avons discuté sous conséquences agression russe contre Ukraine, sous terroristes aériens russes là, avec situation difficile dans le domaine énergie, avec ça li espéré dans le sommet mondial la paix, cap déroulé dans le pays la Suisse. D'ailleurs, Zelensky déjà dans le pays la Suisse pour l'assister au sommet ça. G7 là, c'est un événement annuel mondial qui ouvre porte pour un paquet de réunions bilatérales. Par exemple, président Joe Biden profitait de événements pour rencontrer plusieurs chefs d'État et chefs de gouvernement, parmi eux, chef gouvernement italien, Giorgia Meloni. Jeudi vendredi, ça, la veille clôture sommaire, président ukrainien Volodymyr Zelensky rejetait sa relais ultimatum style Hitler, président russe Vladimir Poutine qui a exigé Kiev abandonner quelques territoires dans un boucantage dans le cadre d'une négociation la paix. Président Zelensky dit message ça, c'est message ultimatum et Hitler t'a fait même bagarre là sous Tchécoslovaquie. Dans la première journée, leader t'a mis en pile accent sur phénomène immigration pendant les États-Unis, les mêmes signé un accord sécurité pour 10 ans avec Ukraine. Dans la même journée, jeudi 13 juin, donc hier, leader G7 yo t'a joint un accord politique sous façon yo ka utiliser bien la Russie yo gelé yo. Qui s'est bail Ukraine 50 milliards de dollars dans l'argent russe. Ukraine recevoir encore en pile l'autre soutien dans l'occasion sommet G7 ça. L'autre point qui était dans la première journée, c'est guerre Israël Hamas là, intelligence artificielle, changement climatique, semblait une opposition entre la France et l'Italie sous question avortement. C'était occasion tout pour leader G7 yo frapper la Chine d'après yo cap mener transaction commerciale qui pas respecter principe éthique international yo pendant l'a soutenir la Russie dans invasion contre Ukraine yo et la baille la Russie zam et leader G7 yo mandé pour suspendre faire ça. G7 l'a fini demain samedi avec fameuse déclaration finale traditionnelle yo que groupe 7 là a signé en parlant de États-Unis, Allemagne, la France, Italie, Royaume-Uni, Canada et Japon.
yo di nan document sa ki pa ko officiel, yo vle agi ensemble pour faire promotion pour résilience économique, pour goumen contre politique commerciale qui pas respecter principes internationaux et renforcer coordination pour relever défis mondiaux. Joe Biden, Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Justin Trudeau et l'autre Tokayo te réuni dans sommet ça depuis hier jeudi à Borgo Egnazia tout près Bari dans Apulia dans sud pays Italie côté yo tap inquiété sur un paquet de gros défis mondial qui gen rapport avec problème la Chine nan question exportation produits chinois yo avec la Russie sans oublier question avortement, immigration, technologie, intelligence artificielle avec deux guerres mondiales. Jacques Labellisère, VOA Creole. Merci Jacqueline pour ramasser ça comme donc m'a dit que leader qui pour publier une déclaration finale et qui c'est normalement ça fait après chaque sommet côté pour un engagement encore et très certainement il n'y a pas encore l'année prochaine et il va annoncer si il va annoncer déjà qui côté cap accueillir prochain sommet on a dit que pas l'autre sommet encore mais c'est pas juste cette fois ça c'est puis l'OTAN lui-même qui sommet pas là venir tout et dans mois ça ou peut-être dans mois j'ai cap venir là non parler n'a quitté Italie n'a fond longue traversée pour nous venir dans Caraïbes là côté États-Unis avec Canada et ben yo chaque yo voye en fait Canada voye un bateau de guerre et États-Unis déploie un sous-marin dans Cuba et dans ça qui semble une réponse avec présence une flotte et bateau de guerre et là aussi avec un sous-marin là aussi dans la Havane Cuba. Détail avec Sandra Lemaire. Un bateau patrouille Force Navale Canada arrivé la Havane Bonheur vendredi, quelques temps seulement après un sous-marin américain qui a une capacité pour lancer attaque rapidement t'est accosté dans base navale Guantanamo. Tous les deux bateaux arrivés Cuba après une série bateaux la guerre russe t'est arrivé dans Iléa puis Bonheur semaine ça. Bateau force navale russe, canadien et américain dans Cuba, aux îles communistes qui situent à une distance 160 km seulement à Floride, te rappelé monde de tension qui te connaît exister pendant la guerre froide là entre la Russie et l'Occident. Kounia, pays sa yo dos à dos pour être la guerre Ukraine. Cependant, États-Unis à Cuba, dit bateau la guerre russe pas posé menace pour région. La Russie tout décrit arrivé bateau la Galio dans pays Cuba qui c'est un pays ami comme routine. Commandement Sud États-Unis publie un message sur réseau X qui dit voyage sous-marin USS Helena t'est planifié d'avance. Un diplomate canadien décrit arrivé bateau Pali tout comme routine et puis il dit il est tombé dans le cadre de coopération qui existait depuis longtemps entre Cuba et Canada. Il a ajouté sa bague en lien pour eux avec présence bateau russe. Dans Moscou, le journaliste a demandé porte-parole ministère affaires étrangères russe là qui message la Russie a envoyé à bateau lio, il t'a dit l'Occident pas occupé si la Russie t'a envoyé bayo par voie diplomatique yo. Il continue pour dire dès que yo remarqué la Russie voyager dans région et puis fait exercice militaire, j'ai tout le monde braqué sous yo. Pendant ce temps, Cubain, dans la Havane, t'es fait la queue pour aller bateau russe. Parmi eux, t'es gagné Josefina Alvarez. Il dit, moi, arrivé ici depuis bon matin. Moi, deuxième dans queue. Moi, vin, moi, belle bagaille ça. C'est vraiment nous gagne opportunité comme ça. Ariel Vera t'a fait la queue tout. L'expectativa est pouvoir conocerlos de cerca. Il dit nous attendons à ce que nous capables de près, ni même équipage, ni bateau. Et puis, apprendre qui gens ça y est pour travailler sur un bateau comme ça. Bateau de guerre russe, t'as supposé rester la Havane pour juste 17 juin. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et puis, agence des Nations Unies pour manger avec agriculture, FAO, eh bien, ils ont déclaré ce chassier dans la zone, partie sud-Afrique, continent africain, eh bien, ce chassier, là, va affecter les pays, tant qu'Angola, Swatini, Madagascar, Mozambique, avec Tanzanie, eh bien, agence en fait, connaît, ils lancent appel pour porter concours pour
éviter que pays ça sécheresse là pas affecter pays ça mais il dit quand même pays ça il est menacé à cause sécheresse là. Ça soit quelques camarades qui dans la part d'Amérique. Nous parlons dans notre point de l'actualité, nous parlons en Haïti. Le premier ministre haïtien, Guy Coney, discutait avec l'Agence de protection civile, avec l'autre partenaire pays d'Haïti sous plan et plan pour que ça a fait dans l'occasion saison cyclone. Nous a bloqué et annoncé depuis le 1er juin. Nous allons rejoindre Yves Manuel pour plus de détails. Premier ministre Gary Coney, qui c'est en même temps ministre intérieur à collectivité territoriale, participait dans la journée 13 juin dans une rencontre travail dans ce qui concernait préparatif saison cyclonique 2024 là, qui selon experts excessivement sévère à Nessa. Session ça permet autorité de discuter plan, stratégie et besoin spécifique système là pour protéger population en situation d'urgence, selon Dr. Coney. Les partenaires ont été réunis, nous passons en revue ça n'a fait, comment on a agi, comment nous-mêmes nous avons appuyé et renforcé pour que nous parions le cyclone frappe. Chef gouvernement, il y a une prérogative tout, présidé Conseil national gestion risque et désastre. Donc généralement, nous voulons connaître, Conseil présidentiel, la voulons connaître, est-ce que nous parions pour nous répondre à une urgence cyclonique? S'il frappe dans le nord, s'il frappe dans le sud, est-ce que nous avons tout en place pour nous répondre à besoin de la population? Séance travail ça qui est organisée dans la villa d'accueil sous la houlette Conseil présidentiel transition réunit différents acteurs qui impliqués dans la gestion risque et désastre, notamment Direction générale protection civile et représentant agence humanitaire dans le pays d'Haïti. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Non, il y a un autre programme de mini-actualité à professeur Camille Chalmers, mandé et gouvernement américain, essayer de prendre disposition nécessaire pour empêcher les armes avec munitions sorties États-Unis pour alimenter bandits armés dans le pays d'Haïti. Plus de détails avec Renan Toussaint. Professeur Camille Chalmers, cap dirigé plateforme haïtienne plaidoyer pour un développement alternatif PAPDA, dénoncer les États-Unis d'Amérique, lui dit qu'il quittait trop d'armes et munitions entrées sous territoire haïtien pour venir alimenter bande armée. Pas oublier que gang, effectivement, yo recevoir armes et munitions en quantité illimitée des États-Unis d'Amérique, de Miami spécialement, et ou à travers la frontière. Et malgré tout discours très souvent hypocrite, des différents gouvernements américains, ils ont continué à quitter que flux d'alimentation en armes et munitions. Ça continue. Et malgré, par exemple, les résolutions des Nations Unies, les différentes résolutions sur les sanctions, etc., malgré toute conjoncture, nous voyons que l'approvisionnement en armes et munitions gagne, par exemple, suspend. Imaginons, par exemple, dans le quartier côté Mabivlan, gagne qu'on fait nuit à tirer. Donc, pour faire nuit à tirer, ça veut dire qu'on gagne munitions illimitées, évidemment. OK? Donc, premier bagage là, c'est couper ça, assécher bassin d'approvisionnement en armes et munitions qui fait que gagne puissant comme ça. Ça, c'est son premier élément. Et ça, c'est un bagage qui est relativement facile. Parce que pas qu'il y a personne qui a convaincu nous que l'État américain n'a pas qu'à contrôler les armes qui sont sorties de Miami. C'est un bagage élémentaire. Professeur Camille Chalmers parlait des hypocrisies du gouvernement américain vis-à-vis peuple haïtien, surtout dans sa gain pour insécurité. Hypocrisie qui gagne dans le discours officiel des États-Unis d'Amérique. Comment faire parler de force, d'appui à la sécurité, et puis où organiser migration 3000 policiers? C'est près de, qui dit presque 3500 policiers qui quittaient pays en 2023. Non force PNH qui est déjà sous-dimensionné, qui pas même gagne assez policiers là-dedans. Donc, si vous voulez assurer vraiment le renforcement de la sécurité, il faut empêcher que 3000 policiers qui, en fonction, qui ont certaines expériences, qui ont certains niveaux de formation, pourront migrer dans le plan Biden. Ça a montré clairement que, justement, la priorité des États-Unis d'Amérique, c'est pas la sécurité en Haïti, c'est pas le renforcement des institutions étatiques. En tout cas, ça n'a pas gagné longtemps. Gouvernement américain fait police nationale d'Haïti un cadeau 10 véhicules blindés pour renforcer
capacité opérationnelle institution. Les États-Unis d'Amérique dit le renouveler engagement pour continuer supporter autorité compétente en Haïti dans le cadre de lutte contre sa yorele grand banditisme dans le pays. Ou en Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. N'a quitté pays d'Haïti, nous parler en Argentine. Côté Sénat argentin, passé un voté en fait un projet de loi que le président argentin a été soumettre lui et bien son projet de loi économique, un projet de loi économique Marie Saint-Tu qui la population prend que forcer population prend la rue pour protester contre proposition de loi ça en juin Gentil Augustin pour plus de détails. Gros débat qui te gagné sous projet loi réforme président libéral argentin Ariel Milei, pas empêché Sénat adopter le mercredi 12 juin 2024 là. Ça qui la cause, gros manifestation devant Congrès. Malgré taux inflation en Argentine a baissé, population a poko senti effet ya. Parce que prix produit aurait été tête nègre et manger toujours yon lix. En esta ley a las grandes empresas. Projet loi ça bay tout bagay. Kounya et pour tout temps à gros business yo. Et puis, li di retraite yo tan, gros compagnie yo jwenn taxe qui pi ba, ak yon instabilité fiscale pour 30 l'année. Nan paquet taxe la, pi gros millionnaire argentin yo jwenn moins taxe ak instabilité pour 15 l'année. Mais, retraité kap contribuye depuis 30 l'année, pas même konnen combien l'argent yo pral recevoir mois prochain. Nan mois mai taux inflation chaque mois Argentine nan te gen en pile chance pi bas depuis 2022 nan mitan rigè président libéral argentin Javier Milei mais en pile argentin di ke yo poko senti effet bénéfice parce que prix manje yo dépassé salaire yo. El tema de la inflación moi toujours pas senti inflation an ki baissé. Moi toujours pas comprendre ki jan inflation ka descend. Taxe yo wo. Service à gasoline cher, assurance cher, et puis service santé qui t'a dû diminuer, c'est même bagay là ou soit augmenté. Honnêtement, moi toujours pas comprendre qui gens inflation baissé. Inflation annuelle là toujours près 300%. Pi wo nan monde là, bien que tout chaque mois te ralenti et augmentation dépenses manger, service public à transport. Fait salaire minimum chaque mois argentin qui c'est 234 315 pesos ou soit $260 américains pas assez. Pourtant, président Milei fait qu'on est li chargé l'autre réforme dans Djakout li. Tenemos 3200 réformes. Nous toujours gagné 3200 réformes structurelles pour nous voyer bay Congrès ya. Si nous pas voyer yo kounya, n'a voyer yo après 11 décembre 2025. Nous pral changer Argentine. Nous pral créer une Argentine libérale et nous pral pays qui pi libéral dans monde là. Dans 40 l'année, nous pral vinn pi grand puissance monde là. Gouvernement argentin a fait jolè pour succès li nan dompte inflation ak mezi difficile pour diminuer l'argent banque centrale a imprimé. Concentré pour gen plus réserve et puis réduit dépenses yo. Mais li doit faire face à défi pour kembe électeur yo sous bon économie qui pas jam bouger ak pauvreté ya kap augmenté. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Eh bien bon, on a quitté Argentine pour nous faire l'autre coup de pied dans le pays d'Haïti. Nous parlons particulièrement dans la deuxième ville PIA, on parle de ville Cap-Haïtien, côté responsable dîner pas au repas. Eh bien, ils ont même, non, alors, ils ont organisé, ils ont rumblé, ou bien, ils ont rencontré avec, et non seulement dirigeants, mais tout, et membres de société civile là, tout, et villa, pour la population, en fait, explication sous projet réhabilitation système de l'eau potable dans la deuxième ville, là. Ils ont question que population a toujours à babier pour dire que au pas de dans robinet au sèche je pense que ça faire comprendre il y a travail sur question hein, et que il pas prend trop de temps pour que l'eau commence à vider dans robinet nous va joindre à Maxino pour plus de détails. Responsable office régional de l'eau potable et assainissement au Repano organisé une table sectorielle pour bailler population
plus explications sous projet réhabilitation système de l'eau potable dans deuxième ville pays. A un projet qui commencé depuis l'année 2021. Directeur Orepanoa Pierre Bernard Poisson baille population garantie y a joindre de l'eau la caillou très bientôt. Pour la population comprenne nous comprenons les nouillés, bien nouillés, même pour seul la population. La population, ça a l'eau dans le robinet. Parce que nous connaissons l'État qui doit commencer un projet pas fini. Mais nous avons une garantie. Un projet, ça avec dire par Oupano, de conseil avec la Bible, avec la population espagnole, et écrit en l'État tout, parce que c'est une demande de l'État que nous prenons engagement que pour nous finir. Projet cap haïtien et nous baï garantie tout côté nous dit projet passé et n'a baï de l'eau et pour population a commencé ouais de l'eau dans robinet toute critique qui a fini et ça fait la critique et elle est critique nous prend ça avec importance ça pousser nous avancer plus. Délégué départemental Nord Pierrot Augustin de Gaulle qui était présent dans table sectorielle là mandé responsable au Repanoyo pour continuer informer population sur avancement qu'a fait dans le cadre du projet, ça a une façon pour éviter la mâchoire gonflée. Closer, ça a organisé aujourd'hui. Je souhaite que ce n'est pas une activité de plus, mais c'est une activité pour nous prioriser dans notre monde. Pour nous impliquer davantage organisations communautaires de base, organisations de la société civile, tout. Opérateurs, que ce soit au niveau économique, politique, social, culturel, plus au capable de bien, meilleures informations qui nécessaires sous exécution projet. D'après le projet réhabilitation système de l'eau potable dans la ville cap-haïtienne démarré dans l'année 2021, l'état de reboot dans l'année 2027 qui vient là. Gérard Maxino, cap-haïtien. Pour la Voix d'Amérique. Et puis, on a parlé de sport. Et tu as constaté par exemple la Coupe d'Europe des Nations a commencé dès jeudi, mais c'était un match, en fait entre l'Allemagne avec l'Écosse, et en va nous descendre là, et M. Allemand était déjà mené déjà sur l'équipe écossaise, et puis là, le mois prochain, plutôt dans le même mois, ça là, et en Amérique là, par le Guinée, ça, les dans les Copa América, cap de que les États-Unis a pas accueilli, et puis, par le Guinée, les Jeux Olympiques, on a pas les Jeux Olympiques, cap de dans la ville de Paris, en France, donc c'est nous gâtés totalement avec ça nous actualité sportive, ça cap gain dans mon sorti là, donc nous gâtés et dans pour saison été là, en parlant de ça, on a dit que Haïti a participé dans les Jeux Olympiques et Paris. Il y en a plusieurs disciplines, mais alors une discipline que on a participé pour la première fois, c'est gymnastique et gymnaste qui a représenté nous, c'est Lindsay Brown. Eh bien, lui-même, c'est le cas représenté à Haïti. Eh bien, et Sophonie, lui, t'es croisé avec elle. Eh bien, mais espoir que les Dominicains soient participation d'Haïti dans les Jeux Olympiques Paris 2024. Ça a passé, dans le monde gymnastique, là, craser limite, c'est un bagage qui n'est pas facile. Fait et grandi dans le pays États-Unis, Lindsay Brown toujours kembe yon bon connexion ak origine haïtienne li. Pour Lindsay, marqué histoire vini naturellement. Premier athlète qui mette Haïti sous scène gymnastique mondiale là, c'est moment koun ya pour pote connexion ça nan yon niveau ki pi ou. Lindsay pral représente Haïti nan Jeux Olympiques ki pral fèt Paris en août 2024 yo. C'est yon rêve ki vini réalité. Ki jan processus yo teye? Qui support comité olympique te bali pour arriver qualifié? Qui est-ce qui pral accompagner Lindsay dans JO yo? Lindsay a expliqué. The process wasn't quite clear. Processus là te paraît inconnu dans commencement. Li pat clair sou ki jan pour nous arriver qualifié pour Paris JO. C'est comme ça moi te essayer pas penser sous ça.
et me te concentrer sur compétition pi plis que me te capable and for myself and just do the best gymnastics I could. The Haitian Olympic Committee has Comité Olympique fait un pile effort pour ajouter gymnastique comme un sport pour organisation JO. Quantité papier, voyage et planification te paraît accablant quelquefois. Mais moi te content travail avec yo pour me aller dans compétition. I'm not sure who m'pa konnen ki est kap asiste m même certain en pile membre comité olympique après là pour supporter tout athlète qui qualifié the other athletes that have qualified for Haiti pour y faire porter une médaille pour Haïti a ki est lundi ap gen pour concurrencer I will be competing se va ak meyè nan monde lan environ 40 pays pour participer dans gymnastique li pa pal facile même excité pour challenge ça pour konnen sou ki sa Haïti ka espérer de participation lundi nan JO yo athlète la répond comme ça provides visibility for Haiti as a country and visibilité c'est un nan pi gros résultat yo moins espéré Chloé, Stéphane et Claude Gymnase ont inspiré pour compétition à niveau international. N'a pas rappelé pour Haïti, c'est environ 12 athlètes qui ont gagné pour prendre part dans JO avec lundi spécialement dans le domaine gymnastique. Marie Sophonie lui depuis Miami pour VOA Creole. Ndame même cap voler comme ça. Moi c'est m'a tombé sous des pieds. Nous parler joindre Judoncier de Miami pour détails sur et dans monde des vedettes parmi Etienne Maila. Artiste solo Rochelle Guillaume pral principal tête d'affiche dans 38e édition Festival International Nuit d'Afrique qui a déroulé dans Montréal pays Canada mois prochain d'après sa artiste lui-même déclaré dans page Facebook li. Festival International Nuit d'Afrique, c'est un événement culturel qui fondé dans l'année 1987 et qui mettait en vedette chaque année artistes africains, caribéens et latinos. Mis à part Rochelle Guillaume, qui a clôturé spectacle là, nous apprenons qu'artiste solo Jean-Jean Roosevelt, lui-même tout à présent dans Festival Nuit d'Afrique 2024 dans le pays Canada. L'autre nouvelle pour journée jeudi, Apache World Music, dirigé par Joseph Zeni Jr., alias Tidjo Zeni, sorti premier album musique qui portait nom Apache Lise Volume 1, qui mettait en vedette deux jeunes chanteurs, qui c'est Pablo et Melo. Album n'a gagné 14 musiques sous lit, 4 musiciens groupe créole ont participé dans l'album n'a, et gagné 3 musiques dans l'album n'a, qui déjà sorti en vidéo. Poète André Fouade fait publier un nouveau recueil poème qui portait nom Valse des ombres. Dans une conversation avec poète là, il te fait nous connaître que en pile la poésie que lui écrit tourne une composition musique pour quelques artistes haïtiens. Premier monde qui mettait texte en mélodie, c'est un maestro choral, c'est Joseph Pierre de la chorale Technovox. Merci papa, avec aller loin d'ici. Mais deuxième monde qui va le mettre mélodie sous texte, c'est Pasteur Enoch Jean-Louis. Mais troisième monde qui va le mettre mélodie sous texte, mais c'est Denis Seyid à travers l'album Cassandra, mon plaisir qu'on connaît, qui habite New Jersey. Et puis quatrième monde qui va le chanter texte André Fouad, le texte poétique d'André Fouad, c'est Ouli Saint-Louis, côté que moi joigne, petit Jean-Jacques Stéphane Alexis de Interfant Art Group qui te produit l'album ça, Mélodie des mots. Nous serons peur qui fait pour l'isoir en cité. Soleil craché sous nos dix vos frettes. Voici tellement vivre dans les temps faits, papier, bouche cap battre, soleil cap pour coucher, pour couille caché. Voici tellement vivre dans les temps monde fou, hier soir me réveille la mer avouée au sombre. C'est ouais, mais au pas ouais, kacha. C'est un lieu tandem qui verse, mais au pas tandem. Nous sommes un peuple qui fait collision à la cité. Soleil craché sous nos dix vos frettes. Eh bien, mes amis, c'est week-end, oui. Si nous avons conduit, nous ne pouvons pas consommer l'alcool. Et si nous consommons l'alcool, nous ne pouvons pas conduire. Passez bon week-end. Nous avons Jean-Marc et Albert avec tous nos collègues. Merci en pile. Bon week-end. Nous allons lundi si tu veux. Prince LB clairement dit ça que t'es passé, agent SWAT avec agent Boyd, en dedans village de Dieu, sous bicentenaire, le 12 mars 2021. Sous présidence Jovenel Moïse, monsieur, garantit que 9 juin,
côté que trois agents UTAG perdit la vie et un chat blindé boulé, zam saisi, policier blessé à prendre soin l'hôpital, li dit ça pas passé comme ça et ça pas rété comme ça. Et yo pral ben ou réponse institutionnelle sans que yo pas violé la loi. Mais moi ça m'a dit zami internet moi yo. M'tap di et Prince LB li pa besoin aller jouk nan 12 mars 2021. OK? Li pa besoin aller jouk nan 12 mars 2021. Li met aller nan date ki te 29 février 2024 avant et là que bandi viv ensemble te décidé attaquer policier nan sous commissariat Bon Repos. Et m'kwa n'est pas 3 ou bien 4 te bezi la vie yo. Et yo ta mande renfort. Malheureusement, yo pa te fouye renfort ba yo. Et France LB, qui te trouvel nan local DG la police nan Klensin, à quelques kilomètres de Bon Repos, yo pa te fouye renfort ba policier sa yo, a policier sa yo. Ba di yo touye policier yo, yo imile kadavyo, m'jo jete kon photo inspecteur qui te nan bouette. Jusqu'à ce que nego kembe kadavyo yo pa bay kadavyo et mwen te ke fami yon nan police yo te même rele et bandi yo pou te ka bay kadavyo bandi yo di non yo pa bay kadavyo y a fait enterrement. Ça veut dire France LB s'il pas sous bluff il pa besoin monter jusqu'à 12 mars en aller la 29 février se passer là encore plus en nou aller mwen le 23 mais le 25 janvier 2023 pour aller dans Liancourt dans Balat Sibonite côté que te gagné pas 5 ou 6 policiers qui t'est mouri Prince LB pas fait rien. Ouais, on garde dans Métivier dans même mois janvier 2023 plusieurs policiers mouri Prince LB pas apporté réponse pour qui ça Prince LB c'est jouk et 12 mars l'aller pour dire que et li pa tourner 12 juin et 12 mars et 9 juillet, disons, pas passé même j'ai avec 12 mars 2021. Moi, pas vle comme si, comprenne, pas vle comme si moun yo comprenne que, équipe me sac nouvelle là, Blaise Info Point Nouvelle, votre Calbas Info Racine Nouvelle Haïti, que nous tague de problèmes personnels avec France LB. Non pas. Mais, samedi là, logique pas vrai? Samedi là, yo, tout le monde qui lucide a compris que samedi la logique. Comment fait Prince LB monter jusqu'à 12 mars 2021 alors que en bas là, avant hier là, récemment là, plusieurs policiers en situation difficile, ils ont demandé renfort, ils n'ont pas bâillé au renfort et Prince LB allait jusqu'à 12 mars. En sérieux, en logique, mes amis. En tout cas, Prince LB, rapport prouvé. En pile rapport produit pendant direction nan tête la police nan gagné en pile policier mouri et que des organisations pas plus que une centaine gagné en pile commissariat sous commissariat et antenne police qui boulait pendant direction que on mené nan tête la police nan jodi an. Question moun a posé, est-ce que vous seriez dans ce diant ou dis-moi est-ce que vous faites un service collé? Parce que vous pas qu'à bien de acte passé là en bas avant hier, ou monte jusqu'à 10 ans. Pendant ce temps, la police a demandé renfort. Le 29 février, la police a demandé renfort. Le 9 juin là, qui ça ne t'a fait? Est-ce que ne pas renfort bayo vraiment? Ou dit, est-ce que renfort est réveillé à temps? En sérieux. Police est mouri sous commissaire Bon Repos. Et les cartouches fini. Là, on pas capable encore, yo pas gagne balle encore. Finalement, bandi yo prend yo. Yo te fait plusieurs étapes tiré avec bandi yo. Qui ça t'a fait? Hein? Qui ça t'a fait? Désir comment est mon frère?
Blesperson, c'est toujours un plaisir pour nous croiser dans le cas de fois. Pas en forme, pas bien, mais nous continuons à gommer bon côté population pour aider et soulager dans côté information bio sur ce qui a passé en dedans pays. Blesperson, France LB, parler, lui dit 9 juin, pas passé inaperçu. Cependant, il y a diverses organisations qui ont demandé arrestation et révocation France LB dans la tête de la police. Là. SPNH 17, Carl Jean-Baptiste, critiquer le commandement de la police qui croise braille même que vous connaissez dans quelles conditions que policier a perdu la vie il a toujours été non question il pral mener enquête Gare Jean-Baptiste dit question enquête là c'est pour maquiller c'est pour faire temps passer c'est pour policier yo qui responsabilité yo qui ca permettre que vienne justice pour frère Damio qui rivé mourir en dedans pays a Blaise Peterson et amis internautes conseil présidentiel transition pas la primature gouvernement Gare Conine qui installé avant hier Blaise Peterson lui permettre qu'il a planifié entre eux tant que Jean-Garry Koné te dit dans discours eh bien tout y est trois agents italiens c'est attaquer stabilité pays c'est sécurité, attaquer l'état. Sécurité intérieure pays mais kounia m'ta essayé mandé Garry Koné depuis qu'il est sécurité intérieure pays a t'es safe pour monde qui vivre là-dedans parce que majorité haïtien yo depuis un bon bout de temps yo s'est réfugié dans propre pays parce que il est obligé quitter quartier côté t'a vivre pour y aller vivre dans l'école privée ou l'école nationale parce que bandi envahit zone yo tout ça au fait au bénéfice de l'état gouvernement qui était là est-ce que le gouvernement qui vient là pral changer données divers dans ministère rivé installé pendant journée gros combrit dans ministère affaires sociales et yo courir derrière par merdem OK Paul Jean-Baptiste que ne connaît tout ça qui ba en pile problème n'en dit que pas émerdé ministre, pas émerdé ceci, là. Eh bien, tout a pratiquement un pile militant qui t'a participé dans l'installation ministre affaires sociales là, chasse monsieur Blaise Peterson. Yo mette monsieur dehors dans l'espace là. Il dit monsieur fait moun en pile temps, c'est pas moment pour monsieur à venir dans l'école pour venir dans question gouvernement qui vient là, pour la venir dire pas émerdé et ministre Garry Koné. Je dis à Blaise Peterson, en pile citoyen, d'accord, que gouvernement qui monte à son équipe tête bien faite. Mais moun yo a prêté temps pour passer à l'œuvre, pour passer à l'action, qui ka permettre au moins que le pays soit dans sa salle de ville, je veux dire, passer ensemble les institutions crasées. Dans le désir. Pierre Espérance dit comme ça, et c'est ça bien étonné que le gouvernement Sakoni Mouté à la, il n'a pas inspiré confiance et il n'a pas attendre grand chose avec lui. Parce que son gouvernement PHTK en majeure partie, Pierre dit, les gars, en pile tête, en pile visage, le gouvernement ça. Il dit PHTK et il dit clairement que, prague ensemble dossier pour faire maintenant tirer à la justice parce que les gars, en pile la moun ça, c'est des moun qui te gagoté l'argent, Petro Caribé, ou ensemble de gros l'argent, impliqué dans ensemble de gros scandales, ensemble de massacres en pays, que PHTK te lié là-dedans, et même monsieur dit que c'est et ensemble de deux sépral fait monsieur non et PS pourquoi PS ça même toujours tirer pied ah donc ça peut dire même Pierre tu regardes est-ce que dans le gouvernement ça Pierre assurance pas gagne monde parle qui la cause peut-être ni mauvais et dans ça mais dans niveau monsieur Bandio barbecue fin ouais mort ou t'as dit que barbecue manger les personnes j'ai une série de déclarations la faire dans tout dernier moment yo et en plus le monde qu'a analysé discours barbecue dans moment dit barbecue pè couchat si la police arrange yo pour yon un cordon qui cap cercle Badelma y a barre barbecue tant pou crabe ou menel à juger pour ensemble des actes qu'il fait dans pays a parce que barbecue a annoncé ensemble des policiers yo gen madame yo gen maman yo gen papa qui tap vivre et dans ghetto et spécialement dans Badelma et ça monter c'est que c'est pè barbecue pè et n'a dit que la police s'est passé tout temps yo journée 12 juin et Blaise Peterson, c'est coup de balle qui t'a tiré dans zone Delma. Plusieurs cas arrivés démolis avec Angelou que la police utilisait dans l'espace. Barbecue était obligé évacuer pour quitter l'espace. Après, la police vient quitter le périmètre là. Barbecue vient sortir, puis a fait chaud, fait une vidéo, parler bien fort pour montrer qu'elle n'a pas fait la police. Dit la police n'a pas besoin de machin à gasoline, là-bas au gasoline. Tout ça, c'est parce que France LB poco déterminé. Pour mener à déchouquer criminel assassin ça qui permet que barbecue continue à parler toujours parce que ensemble policiers dit une volonté avec ti capacité que gagne ti moyens que gagne yo ka bataille pour mettre tout bandi dans wolio les personnes et amis internautes je dis ya nan gâteau k'ap séparé ya tout le monde rive d'accord monsieur dame que le gouvernement ça qui fait qu'installer ya yo dit c'est une série de têtes bien faites mais c'est première fois ça arrive dans l'histoire pays d'Haïti côté yon gouvernement installé ou pas vraiment jouer une contestation avec contre des personnes. Parce que tout acteur décide de venir chita sur même table, table la servi, tout nèg servi,
yo ge ti bagay nan men yo, moun ki poko gen se ti militant piti piti zuit yo. Ti militant de maman ki manke non yo, ou kompren, et jen gars ki te pote bourre nan kat batay la la, et ki petèt blesse personne poko gen nan men yo. Kap veye et meri yo, kap veye délégation yo, kap veye vice délégation. Après ça, tout gros potentat yo gen bagay nan men yo. Parce que c'est chaque représentant parti politique qui en dedans conseil présidentiel là qui gagne un ministère dans mes blessé personne pour y aller les affaires pour y faire comme café pour y faire comme bière pour y prendre plaisir pour y faire comme tout pour y séparer les élections à faire parce que songez élection pour faire là c'est pas question nèg qui gagne plus gros âme non mais c'est nèg qui plus qu'à convaincre ce nèg qui gagne projet à programme de société c'est lui qui pral gagner pour passer dans l'élection parce que mon yo saute vivre yo expérience là par rapport avec tes cap distribuer des amis blessé personne li passe bien li pote en pile qu'est cassé pour pays d'Haïti et ensemble ça pral gagner comme conséquence yo y a grave en pile en dedans pays a blessé personne les amis internet moi même des m'a clair ouais moi Blaise t'as parlé là m'poko ka parler d'élection pour Haïti honnêtement m'poko parler d'élection pour Haïti. Sa priorité m'na se parler de insécurité hein, qui doit résoudre. Web clair. M'boko pa jam mette accent parler sur que son élection en Haïti. Mais priorité m'na ensemble émission m'a fait là yo. N'a ensemble sujet point que nous annoncer n'a traité, n'a fait débat sur yo là, c'est question insécurité. Et m'croit que c'est lui-même qui c'est priorité gouvernement koni lan, qui c'est priorité conseil présidentiel là qui c'est priorité haïtien cap vivre en Haïti yo qui c'est priorité haïtien qui dans diaspora et priorité chaque acteur chaque monde qui en Haïti et qui est intérêt en Haïti élection vient après parce que pour que élection là c'est faut que sécurité et pour tout ça cap fonctionner pour fonctionner en un pays il faut que sécurité et je dis à mon pays qui malade. Nous avons payé qui cagou, nous avons payé qui à chez nous, parce que pas de sécurité. Et moi, tant de voir tout secteur, toute couche organisée et diaspora haïtienne, ils ont tout dit une seule parole, c'est question sécurité hein, qui pour tabli et qui pour permettre que la paix et tout le monde fonctionne dans le pays. Je dis à moi que, et me demande ça dans l'émission que je fait hier matin. Kem te di, tout haïtien qui voulait et qui t'a remé, qui souhaitait que sécurité, la paix établi en nos pays, on connaissait Paul, on fait coup d'à-coup de parce que, dans Jean-Bato Haïti pour aller là, même le ou pas en nos pays, comme si m'a dit que, ou pas en nos bateaux physiquement, mais ou gen Haïti qui se pays ou, qui se côté Colombico maré enterré, ou dis moi que ou gen un proche ou gen une famille ou k'ap vive Haïti toujours mais k'ap vive Haïti pour que nous collons les épaules pour nous retirer Haïti dans sa lie là moi toujours dis que moi avec Désir Venesse nous comptons sur banalisation la vie moun en un pays nous comptons sur la criminalité et même toujours dit tout la sécurité c'est le premier bien public que haïtien doit joindre et doit jouir. Et qui est-ce qui pour bay sécurité hein? C'est autorité qui concerne, autorité dans plus haut niveau dans l'État qui doit dégager notoriété yo, n'a permettre que yo tabli sécurité hein. Je dis en a dit, c'est pas un carte blanche que yo bay ni conseil présidentiel yo et ni yo bay gouvernement Gary Conin là. Parce que trop haïtien besoin la paix. Jodian désir dit c'est vrai comme si pas qu'on qui s'en est en contestation ou dis moi ce que yon gros bouche l'ouvri parler en pile avec Rivé Gary Conin dans tête payant comme premier ministre. Ou moi ça selon moi-même c'est parce que peuple tellement focus de question insécurité hein. Li tellement gè on attente que insécurité que capable résoudre. Et le fait que yo reconni, c'est comme quoi, c'est international qui est posé, ça veut dire yo wè que y a reconni autant de moyens de quoi pour permettre que li réponde avec des idérata, pe pa isyen. Et Gary Conin comme PM, li connaît clairement que sa captain ni la, défi yo en pile, et li doit dégager
avec toute équipe client pour permettre que yo tabli sécurité, pour permettre que yo bay la paix en nan pays, parce que c'est ça peuple haïtien attend. Je dis hein, c'est pas et pas belle de pour Gary Koni. Non, à toute équipe client. Peuple attend, la suivre comme ministre gouvernement là. Yo commencé installer pour me dire tout parce que fini installer net jodi hein. Je n'ai quitté jeudi pardon.